Bienvenue dans ce tutoriel Moodle du Centre de soutien à l'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre visible ou cacher un cours pour vos étudiants depuis le tableau de bord de votre compte Moodle. Sélectionnez le cours dont vous souhaitez modifier le paramètre de visibilité. Vous remarquerez que les cours déjà cachés pour vos étudiants se distinguent des autres par une petite information dans un encadré bleu. Une fois sur la page du cours, cliquez sur l'onglet « Paramètres » en haut à gauche de votre écran. L'option de visibilité qui nous intéresse se situe en quatrième position dans les paramètres. En cliquant dessus, vous verrez apparaître deux choix qui sont respectivement « Caché » ou « Affiché ». En sélectionnant l'option « Caché », vous rendez le cours invisible aux yeux de tous les étudiants, même pour ceux qui y sont déjà inscrits. En choisissant l'option « Affiché », vous permettez aux étudiants déjà inscrits de le voir apparaître dans la liste des cours auxquels ils sont inscrits. Vous permettez également aux étudiants non inscrits de retrouver cette page de cours en faisant une recherche sur la plateforme. Nous tenons tout de même à préciser que le fait d'afficher une page de cours grâce à ce paramètre visibilité du cours n'implique pas forcément de rendre son contenu ouvert à n'importe quel utilisateur. Vous pouvez toujours limiter l'inscription des étudiants et ainsi l'accès à votre espace de cours Moodle avec une clé d'inscription. L'ajout d'une clé d'inscription est un sujet traité dans un autre tutoriel. Une fois la modification effectuée, descendez tout en bas de la page et cliquez sur « Enregistrer et afficher ». La modification aura un effet immédiat sur la visibilité du cours par vos étudiants. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Moodle 4.0, n'hésitez pas à regarder la suite de nos tutoriels vidéo.